Cet après-midi, ça reste très agité hein, sur l'ensemble du pays, avec notamment cette instabilité entre le sud-ouest pour rejoindre les Hauts-de-France. On va avoir une alternance de nuages porteurs d'averses, parfois même qui prennent un caractère orageux et qui seront accompagnés de grésiles. Et puis on va retrouver également des pluies soutenues en direction, cette fois-ci, des Alpes, avec également là des orages, parfois même de la grêle, cette fois-ci. Mistral, Tramontane qui reprennent et qui se renforcent au cours de l'après-midi. Pour les températures, ça va bien baisser. C'est vraiment l'automne cette semaine et depuis samedi, ça ne fait que baisser, 18 degrés à Brest, 23 à Paris et Strasbourg. On est en dessous des normales de saison. Par contre, la chaleur se maintient en direction de la Corse avec 32 degrés à Ajaccio. Pour demain, ça devrait être un petit peu plus calme. On va tout de même retrouver un petit peu d'activité orageuse cette fois-ci en direction des côtes de la Manche, encore une fois, entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais avec quelques coups de tonnerre possibles. Et puis toujours Mistral et Tramontane qui dégagent le ciel en Méditerranée. Et puis à l'ouest, on retrouvera un petit peu plus de nuages. Dans l'après-midi, ce sera quasiment la même configuration, si ce n'est qu'on va retrouver un peu plus de soleil dans le centre du du pays. On a toujours ces nuages qui persistent entre les pays de la Loire jusque vers le Bordelais et on a toujours cette activité orageuse près des côtes de la Manche qui peuvent apporter parfois d'ailleurs quelques petites averses. Pour les températures, ça continue de baisser, y compris le matin, avec 8 degrés par exemple à Limoges, 12 à Paris et jusqu'à 21 degrés attendus pour la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, eh on va retrouver des températures stationnaires qui continuent de baisser un petit peu, encore une fois, 19 pour Brest, 20 pour Paris, 18 à Lille et jusqu'à 30 degrés attendus à Montpellier. Excellente journée à tous